Buongiorno a tutti e bentornati al 25esimo convegno internazionale di globalità dei linguaggi. Io sono Francesco Spampinato e ho il piacere di introdurre oggi il contributo di uno studioso francese, il professor Jean Vion-Durie. Il professor Vion-Durie è docente universitario alla Facoltà di Medicina di Marsiglia, autore di prestigiosi manuali di neurofisiologia clinica, ma anche appassionato di musica e clavicembalista, e un grande conoscitore di filosofia, in particolare si interessa alla fenomenologia filosofica. E poi è direttore da qualche anno di un gruppo di ricerca su musica e terapia in un istituto di ricerca interdisciplinare del CNRS, l'equivalente francese dell'italiano CNR, in cui porta avanti le sue ricerche intrecciando proprio questi tre elementi, la musica, la filosofia e le scienze mediche. Ecco, per me Jean Vion-Durie, ormai da tanti anni un amico e collaboratore con cui ho curato, tra l'altro insieme a Grazia Giacco, un volume collettivo su musica e memoria nel 2014, è un volume che accoglie fra l'altro un contributo di Gino Stefani e Stefania Guerralisi sugli stili prenatali la musica liturgica, e qualche mese fa Jean Vion-Durie mi ha chiesto di fare una conferenza sulla globalità dei linguaggi, in particolare sugli stili prenatali, per il suo gruppo di ricerca. Ecco, questo è stato il punto di partenza per una ricerca che Jean Vion-Durie ha condotto con una decina di studiosi della sua equipe. E questo suo intervento di oggi al convegno è l'occasione per lui di presentarci in anteprima i risultati di questo studio originale. Ecco, io ringrazio Jean Vion-Durie e gli do la parola. On peut maintenant, si vous voulez, passer au style mélodique. Alors, pareil, le style mélodique, on retrouve à gauche donc les caractéristiques que définissent les styles prénataux, hein, mouvement continu, linéaire, naissance du désir, etc. Et nous avons donc écouté les scènes, le premier mouvement des scènes d'enfants de Schumann. Alors, au niveau des explicitations, qu'est-ce qu'on retrouve comme chose intéressante? Caressant, berce, danser, mouvement de danse, romantique. On laisse aller des idées, mouvements amples et fluides, berçants, apaisants, sensation de flottement dans l'eau, sa plongée, etc. Ou bien alors, sur une diapo suivante, on entre en transe. C'est hypnotique, inversement, barque au mouillage, pareil, hypnotique, percement. Un bateau, une barque sur un lac, très berçant, très confortable, très grande tendresse. Les expériences qui apparaissent, donc, c'est autour de ce qu'est le style mélodique. Eh bien, on peut grouper, par exemple, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de mouvements amples, fluides, berçants, enveloppant, apaisant, bercement, caressant, balancement, barque au mouillage, barque sur un lac, etc., qui correspondent au côté plané, facilité, caresse, plaisir, attentionnel, etc. L'envie de danser, qui correspond à la naissance de ce désir, l'envie. Des mouvements continus, linéaires, ça plonge et le corps tourné dans l'eau, se déployer. Une très grande tendresse, caresse. On laisse aller des idées, on est en transe. On est hypnotique, là on est dans la légèreté, la facilité, le vol, le rêve aussi, l'hypnose. Hein. Et puis c'est très confortable, le vol, le rêve, enfin tout ce que vous voudrez. Quelle conclusion peut-on donner donc ce style mélodique? Eh bien, il est assez homogène en fait aussi, comme le style initial, du point de vue des vécus non réflexifs. Il y a un caractère planant, liquidien qui est très marqué, facile, apaisant, qui est bien évoqué. Allusion aux caresses et à la tendresse. Et puis, les présences de vécu également de type hypnotique. Comme quand dans le premier, il y a des processus de transformation de la conscience, un vécu hypnotique. Bien, si vous voulez bien, on va maintenant passer au style imago-action. Voici donc les premiers éléments du style imago-action. Donc, on est à partir de 32 semaines, l'enfant est positionné de l'espace utérin, et on voit le chaos, la perte de contrôle, des déformations, de l'inarticulé, de l'attente, etc., des synesthésies. Et la musique que nous avons choisie, donc, c'est Atmosphère de Ligeti, dirigée par Simon Rattle. Alors, du côté phénoménologique, eh bien, on a une grande tension dans le corps, comme si quelque chose coincé, quelque chose est tendu, pas de mouvement, c'est oppressant, de la lourdeur, c'est pesant, la personne se sent écrasée par un poids, c'est pas très agréable, c'est immobile, etc., etc.
Sur la diapositive suivante, on voit également les mêmes genres de choses, c'est-à-dire fuir l'atmosphère, de l'ordre de la folie, film d'horreur, bruit strident, sensation de vide, cinq phases, vibration d'os, etc., un truc qui s'étale, initialement agréable, puis oppressant, dégradant, tourbillon, tête à l'envers. Et enfin, sur la troisième diapo, y a même une parole qui est extrêmement impressionnante, qui est, j'ai l'impression d'être tranché par un sol de charrue. Mouvement avorté, mouvement cassé, étouffé, enroulement vers le haut. Bref, on a un nombre important de locutions et de verbes qui sont très, très inquiétants, très agressifs. Si nous faisons maintenant la synthèse des sciences du style imago-action et la problématique phénoménologique, eh bien, on voit que sur ce style dans lequel le désordre, le perte de contrôle, le chaos, l'inarticulé, enfin des choses très désagréables surviennent, eh bien, on va retrouver ça dans le pré-réflexif des personnes interrogées, enfin, qui ont écouté la musique, avec des vibrations des os, des choses qui s'étalent, des sensations de vide, de films d'horreur, de folie, des mouvements avortés, cassés, vous voyez, la notion d'être écrasé sous l'eau, dans un sous-marin, pas très agréable, grande tension dans le corps, des pertes de contrôle évidentes, comme si quelque chose coinçait, des contractions inefficaces, donc là on est vraiment dans la perte de contrôle. Pareil, des figures déformées, de l'inarticulé, des tourbillons, tête à l'envers, etc. Et puis, très sensiblement, une problématique de menace, très très claire, avec ça abîme les oreilles, ça déchire, c'est un bruit strident, on est étouffé, c'est oppressant, désagréable, lourd, pesant. Et puis, il y a cette chose étonnante, j'ai l'impression d'être tranché comme par un choc de charrue. C'est-à-dire, en fait, une problématique autour du viol, évidemment. Alors, regarde dans la diapositive suivante les caractéristiques du style imago-action. Eh bien, on voit que, du point de vue phénoménologique, en tout cas, les éléments rapportés sont beaucoup plus riches et plus variés que pour le style mélodique ou pour le style pulsatif. Ça, c'est clair. Deuxièmement, il y a de nombreuses images vécues de menaces, voire de viols, comme le choc de charrue, par exemple, d'échecs, de folie. Il y a une expérience d'écoute très désagréable pour presque tous les participants. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de participants, je crois même peut-être un et encore, qui ait trouvé cette musique agréable sous un mode ou sous un autre. Et c'est vrai que ça pose de manière très générale la problématique de la musique atonale, Rauschenberg, Grisé, Ligeti, etc., la musique contemporaine, pour tout dire, la musique savante contemporaine, si on accepte le jazz et d'autres musiques. Et tout cela, ça génère des vécus pré-réflexiques extrêmement négatifs. Pour les participants de l'affect, en tout cas, ceux qui ont l'habitude d'une phénoménologie très incarnée, qui sont très sensibles, eh bien, la critique majeure de la musique contemporaine, c'est une absence d'incarnation, c'est une musique intellectuelle, en réalité, sans affect détectable, véritablement, qui permette de trouver une harmonie interne au sujet. Voilà donc pour le style imago-action. Maintenant, nous allons passer, si vous voulez bien, au style cathartique, le dernier des styles étudiés. Alors évidemment, pareil, même disposition. Donc vous savez que le style cathartique, c'est le style qui survient aux alentours de la naissance, et dans la naissance. Et là, nous avons utilisé la musique de Peer Gynt, dans l'antre du roi de la montagne. Musique éminemment connue, mais enfin, par ailleurs, très expressive. Donc, vous avez à gauche des caractéristiques du style cathartique, avec la conclusion libératoire, les poussées, l'accentuation des rythmes, l'épuisement du débit d'énergie, l'état de transe, etc., etc. Et à droite, la problématique phénoménologique telle qu'elle est décrite dans les vécus non réflexifs. Alors, il y a des éléphants, il y a une ronde, il y a un déroulé qui ressemble à une relation sexuelle, des mouvements intérieurs alternés, chaotiques, et puis des petits mouvements, un dandinement. Ça, c'est pour un premier groupe de verbatim. Sur une seconde diapo, nous avons à nouveau un éclat de joie. On note la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, des battements cardiaques, des extrémités de lambrique balancement, des premières parties joyeuses, puis des choses effrayantes avec des échasses, etc., etc. Enfin, sur une troisième diapo, nous retrouvons les mêmes genres de choses, hein, évidemment. Des balancements de pieds, comme si cela éveillait les parties du corps. Un mouvement sablier, très intéressant. Un éprouvé
paradoxale entre marcher vite et la contrainte d'avoir marché vite, une notion de prise en étau. Ça tournoie beaucoup et à la fin, il y a un petit V. Donc là, on n'est plus dans la métaphore, on est carrément dans la sensation de petit enfant et de la naissance. Alors si on fait la synthèse des saillances du cycle cathartique, eh bien on voit effectivement que, en gros, ça correspond relativement bien à la caractéristique, enfin, ce qui est dans le pré-réflexif correspond bien à la caractéristique des styles, du style prénatal en question. La problématique des poussées, par exemple, avec quelque chose qui est concentré, qui agit sur, du centre à la périphérie, des problèmes de rythme, de balancement, de ronde, d'éveil des parties du corps, des mouvements intérieurs alternés plus ou moins chaotiques, des tout petits mouvements qui s'accélèrent, qui sont rythmiques, et puis des gens qui sont sur des échasses, c'est le côté un peu loufoque avec des éléphants, bref. Et puis un peu d'orientation, un peu d'inquiétude sous la forme d'un dédoublement, par exemple. Et puis quelque chose qui est très très net, alors pour le coup, un peu comme la menace précédemment, c'est un dévoilé qui ressemble, qui est cité comme ressemblant à une relation sexuelle en fait. La rencontre de l'ovule et le spermatozoïde. Et puis comme un mouvement en sablier, pris en étau dans le milieu, à la fin le petit bébé. On a donc là clairement des mentions de la problématique de la fécondation à la naissance en réalité. Alors dans le style cathartique, on retrouve évidemment une grande variation de scènes, beaucoup beaucoup de choses évoquées dans le non-réflexif, avec une allusion fréquente, 4 fois sur 10, à la problématique de la fécondation et de l'accouchement. Ce qui est quand même surprenant par rapport au reste des sites prénataux que nous avons étudiés en réalité. On retrouve vraiment les sensations de croissance, explosion, libération, et puis peu ou pas de désorientation en fait. Alors si vous voulez bien, maintenant on va faire une petite discussion générale sur l'ensemble de ce travail. Très clairement, c'est une étude préliminaire. Ce qui veut dire qu'on l'a réalisée seulement sur 4 pièces musicales, ce qui n'est pas beaucoup, il faut bien reconnaître, mais qui représente donc ces 4 styles prénataux que nous avions initialement choisis, par leur caractère non évident en ce qui concernait les métaphores. D'abord, beaucoup de métaphores, et puis pas évident du tout de trouver chez les Getty des métaphores très très claires autour de ce qui peut se passer dans l'existence, à part le traumatisme. Nous avons donc 10 personnes qui ont participé à ce travail, 10 personnes qui sont expérimentées en auto-explicitation par le mode PE, en groupe. Et ça, à mon avis, c'est suffisant pour la problématique de la saturation des données dans les études qualitatives. Enfin, les sujets interrogés, et il faut leur redire à nouveau, ne connaissaient pas les titres des morceaux, ni ce qu'on leur présentait comme ça. Enfin, donc, ce n'était pas possible d'avoir des idées de ce qui allait se passer, de ce qu'on allait dire, d'autant plus que le public de l'AFEX, enfin les gens qui travaillaient à l'AFEX, n'étaient pas du tout, ou quasiment pas, là, lors de la conférence de Francesco Spampinato, ce qui est extrêmement important. Alors, touchant véritablement la question de notre recherche, on voit bien qu'il y a une bonne corrélation entre les styles expressifs, psychomoteurs, et les ressentis non réflexifs des personnes interrogées. Ça, c'est très clair. Il y a, dans un nombre de cas assez important, on a des métaphores en lien vraiment avec ces styles expressifs qui étaient inclus dans une histoire évoquée par la scène musicale. Ça, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire que le style expressif, il n'est pas comme ça. Il vient dans une histoire où il y a des personnages, où il y a des gens qui dansent, etc., etc. Vous avez pu voir ce que ça donnait. Dans ces histoires, il faut bien voir que l'imaginaire du sujet est extrêmement actif, avec de véritables scènes dont la structure sous-jacente semble être en lien avec le style le psychomoteur. En réalité, il y a la zone psychomotrice proprement dite, enfin la métaphore psychomotrice, mais il y a des scènes, et ces scènes ne sont pas aléatoires, elles sont en rapport plus ou moins direct avec cette problématique psychomotrice, par exemple la danse, le tournoiement, etc., etc. Donc, en général, la sensation de mouvement est associée à une imagerie mentale qui semble en dériver. Et enfin, ce qui est très frappant, et ça on l'avait déjà remarqué quand on avait travaillé dans la même configuration de travail à propos de certaines pièces de Hildegard de Bingen, donc complètement différemment, on avait des scènes imaginaires extrêmement riches en archétypes jungiens. Par exemple des animaux, par exemple des flux liquides. Bon là on n'a pas d'arbres, mais des choses de cet ordre-là.
Alors, si vous voulez bien, on va essayer dans les deux diapos qui viennent de conclure et de mettre en évidence, enfin de mettre en place un espèce de schéma récapitulatif de ce qui nous a été donné dans cette réflexion sur l'interaction entre l'approche phénoménologique et la théorie des styles prénataux. Alors, au départ, on a quoi ? On a une pièce musicale ou un bout de pièce musicale dans lequel il y a une expression d'un style moteur prénatal. Et donc, par conséquent, ceci est externe et c'est perçu par le sujet en tant que pièce musicale. En même temps que se produit cela, vous avez la perception du mouvement intérieur du sujet. Il se sent dans des petites bulles, des petits mouvements internes, etc., etc., comme on a vu tout le long de cet exposé. Cette perception des mouvements intérieurs, elle est évidemment en lien avec la perception de ce qui est dit, donné dans la musique, sous la forme de schéma psychomoteur. Eh bien, il y a accordage. Pour que les deux aient un effet, eh bien, il faut qu'ils aient le même rythme ou la même structure globale, la même forme. Et cet accordage des structures temporelles, eh bien, c'est quelque chose qui a été décrit par Daniel Stern, par exemple, ou aussi par Alfred Schutz, qui est un phénoménologue qui a beaucoup travaillé sur la problématique des flux de conscience, de leur accordage, leur synchronie à l'intérieur de l'écoute musicale. Alors, une fois qu'on a ça, donc perception externe, perception de mouvement interne, eh bien, on va avoir tout cela, vous avez vu, qui s'intègre dans une histoire personnelle. Une histoire avec on a vu des nounours, on a vu des danses, on a vu des choses comme ça. Et ces mouvements perçus intérieurement d'une histoire qui, par ailleurs, est imaginée, on comprend bien que cette histoire imaginée, elle n'est pas imaginée n'importe comment, elle est imaginée avec une structuration qui dépend de l'expression psychomotrique sous-jacente. Et enfin, toujours dans cette optique, on va avoir l'émergence d'affects. Alors, je tiens bien à préciser qu'il ne s'agit pas d'affects au sens de simplement d'émotions telles que les sciences cognitives les réduisent à 6 émotions principales et quelques variations. Non, il s'agit de l'affect, de ce qui touche profondément la personne, que ce soit sur un plan imaginaire, non imaginaire, conscient, inconscient, etc. Donc on est dans quelque chose qui est le genre du pathos, du pathique, tel que peut le penser, le définir Michel Henry. Alors maintenant, on va voir dans la deuxième diapo que je vous propose, quelque chose qui se complique encore et qui donne à l'ensemble du schéma une vision beaucoup plus large. Alors, dans la deuxième diapo, nous avons déjà le schéma tout près, hein, on l'a vu tout à l'heure avec ce qui est extérieur, ce qui est intérieur comme perception, l'intégration dans une histoire et les émergences d'affects. Mais il va bien de soi qu'en fait tout cela est extraordinairement dépendant de l'histoire du sujet. Soit parce que le mouvement intérieur active une histoire du sujet, soit parce que cette histoire du sujet va moduler, transformer, créer, réorganiser telle ou telle approche d'affect ou telle ou telle histoire imaginée. Et donc, par conséquent, là, ce qui est absolument fondamental, c'est que chaque fois, et dans toujours dans les explicitations de vécu de conscience de cet ordre-là, en musique, eh bien, on voit apparaître des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, certaines communes, d'autres non, et qui sont directement dépendantes du sujet et de personne d'autre. Il n'y a donc pas d'universalisation très claire de ce point de vue-là. Deuxièmement, on a vu aussi apparaître des processus qui relève en fait de l'inconscient, et de l'inconscient archétypal de Jung, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les processus d'explicitation par les triens phénoménologiques. On voit apparaître véritablement des processus qui ont à voir avec l'inconscient collectif, les archétypes jungiens. Et là, c'est très intéressant parce que dans cette expérience-là, mais on a pu le voir par ailleurs avec Hildegard de Bingen dans d'autres sessions que je ne présente pas ici, eh bien, nous avons accès ainsi à quelque chose qui est la convergence d'une approche phénoménologique, rigoureuse, sans a priori, avec, à la fin, dans l'interprétation, dans la réflexion, dans les résonances, quelque chose qui a à voir avec la psychanalyse, et en particulier la psychanalyse jungienne. Une freudienne n'est pas forcément inhibée non plus. Hein. Et donc, du coup, on est dans quelque chose qui est extrêmement spécifique, et qui ne peut pas faire partie, à mon avis, et c'est un neurophysiologiste qui vous le dit, qui ne peut pas faire partie du protocole de type science cognitive. Alors, si vous voulez bien, je vais terminer donc en remerciant tous ceux qui ont travaillé. Alors, donc, ce sont des membres de l'AFEX hein, que ça s'est fait dans une séance de l'AFEX il y a quelques temps. Et ce travail a été fait avec les membres qui étaient là, à l'AFEX, on est là ou on n'est pas là, enfin, on vient quand on peut. Et là, cette fois-ci, bah, il y avait Sabine Moretti, il y avait Déborah Chabouilly, il y avait Anne-Sophie Mario, Claire-Marie Rouen, Cécilia Mazzetti, Gaëlle Mougin qui co-dirige ce groupe avec moi. Odile Perret, Elisabeth Singer, Steven Presser.
Ce sont tous des psychologues, des psychiatres, des médecins, des linguistes. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la phénoménologie et qui ont une longue expérience, très longue expérience de ce travail phénoménologique qui est de plus en plus passionnant en fait, au fur et à mesure que nous avançons dans nos travaux. Merci infiniment de votre attention. Peut-être aurez-vous des questions par Internet ou par quel moyen bizarre, un courrier, un pigeon, un voyageur ou je sais quoi d'autre, en ces temps de confinement. Et puis, j'espère peut-être qu'un jour, nous nous reverrons dans un colloque non confiné, quelque part sur Mars. Merci encore et au plaisir de vous rencontrer. Grazie al professor Jean Viondurie per questo bel intervento. E vorrei sottolineare l'importanza di questa ricerca perché si tratta di una ricerca effettuata in un ambito istituzionale, riconosciuto a livello internazionale e che ha come oggetto esplicito una teoria della globalità dei linguaggi. La teoria degli stili prenatali non è qui semplicemente citata a supporto di un procedimento di ricerca autonomo, ma è l'oggetto stesso della ricerca. L'obiettivo è qui verificare da un punto di vista diverso, con un approccio diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere anche nella globalità dei linguaggi, cioè l'approccio della filosofia fenomenologica, verificare, dicevo, il valore archetipico degli stili prenatali, a conferma quindi del radicamento psicocorporeo dei comportamenti registrati dal corpo come imprinting nel corso della vita prenatale, a conferma quindi anche della profondità incancellabile di esperienze che la musica è poi in grado di far riemergere. Una seconda cosa che vorrei sottolineare è che questo studio ci conferma che gli esempi musicali citati nel volume sugli stili prenatali, da cui Jean Viondurie ha tratto le musiche per le sue esperienze, sono esemplari di un certo tipo di vissuti, al di là della soggettività degli autori, quindi Stefani e Guerralisi, o della soggettività di quei gruppi a cui gli autori hanno proposto queste esperienze d'ascolto prima di pubblicare il libro sugli stili prenatali. Lo schema finale di Jean Viondurie, nelle ultime slide che ci ha presentato, illustra bene questa dialettica fra storie personali da un lato e archetipi collettivi dall'altro, mostrando che l'esperienza intensa, profonda, attiva entrambe le dimensioni. Un'altra cosa importante, mi sembra, è poi la questione della presa di parola sull'esperienza musicale. E Jean Viondurie ci fornisce qui una lettura filosofica del ruolo della metafora nell'ascolto musicale, mentre, come sappiamo, Gino Stefani ne ha studiato il funzionamento semiotico. Possiamo dire che l'ascolto fenomenologico ricercato e studiato da Jean Viondurie corrisponde a un far emergere i potenziali umani, le competenze di codici generali, secondo il modello della competenza musicale di Gino Stefani, l'homo musicus, in termini di globalità dei linguaggi. Si aprono allora vasti orizzonti da questa interessante convergenza che vanno in varie direzioni, non solo filosofiche ma anche pedagogiche e terapeutiche. Ecco, io vi invito ad inviare i vostri commenti, le vostre domande che saranno tradotti e trasmessi al professor Jean Viondurie. Lascio adesso la parola a Stefania Guerralisi per un suo commento a questo intervento e vi do appuntamento alla prossima relazione del 25esimo Convegno Internazionale della Globalità dei Linguaggi. Arrivederci. Ringrazio a nome di tutti i convegnisti la bellissima esposizione della ricerca del professor Viondurie
che riteniamo importantissima per i nostri studenti, perché dimostra come si possa convalidare una cosa così difficile da afferrare come gli archetipi profondi dell'inconscio, degli archetipi universali, eppure attraverso delle esperienze vissute con un'attenzione sinestesica, in questo caso dell'ascolto musicale, ma potrebbe essere anche della osservazione di un'opera visiva, scultorea, di una danza, di uno spettacolo di teatro. Per la GDL fa uguale, è le emozioni che fa emergere, no? tutto quello che ci arriva e ci riporta a qualcosa di così comune e profondo che ci fa intendere fra esseri umani. Sarebbe a dire quanto è importante avere questa garanzia che ci permette di comunicare tutto quello che è invisibile, tutto quello che prende corpo solo attraverso le arti e che poi invece ci attiva dei neuroni specchio che sono strettamente connessi a delle dinamiche geneticamente predisposte in noi e a delle memorie ancestrali che abbiamo in comune, per cui ciascun uomo ha il suo sogno, anche dormendo uno accanto all'altro, ma pur essendo così soggettivamente pieno di immagini di tutti i sensi, può comunicarla all'altro risvegliandone altre ancora. Quindi capite che è un processo creativo che si autoalimenta universalmente attraverso la funzione delle arti e che alimenta anche le stereotipie, i sensorismi creati per attenuare la sofferenza, quindi in maniera consolatoria, ma che comunque attingono a quel placet universale che portiamo tutti nel nostro profondo come profonda dote con la quale veniamo al mondo, quindi con un valore autotelico già insito in noi stessi, mi viene in mente come le cellule staminali, come tutte le possibilità riparatorie contenute in quella forma simile al DNA che è il nostro cordone ombelicale, dal cordone ombelicale con la madre a quello ombelicale con il cosmo, la chiamiamo così, questa metafora che racchiude questa ricerca così ben portata a termini e che ci è stata offerta. Quindi è un messaggio per me gli stili prenatali dal 1992 che io portai come appunto una specie di coazione a ripetere della mia situazione dolorosa e di indagine su che cosa si vive per esserci al mondo, al Conservatorio di Torino, in cui si faceva un seminario di musicoterapia applicata alla didattica musicale. Una traccia se ne trova nel quaderno numero 7 della Procivitate Cristiana, dove io allora già facevo i miei seminari e il laboratorio di musica terapia nella globalità dei linguaggi, e quindi nel 1996. Poi c'è stata la pubblicazione nel 99 con l'editrice Klueb dell'Università di Bologna, era con il mio nominativo, ma anche con la collaborazione di Gino Stefani che insegnava al DAMS di Bologna, e facevamo già i seminari dentro la sua classe del DAMS. La chiamo classe perché il bello era che ci spostavamo in un oratorio con il tavolato di legno, perché lì si trattava appunto
di risdraiarsi per terra, vivere con i cosiddetti mammoni e il ritmo e la qualità melodica del primo strisciamento nel canale vaginale. Ecco, vi do questi così flash per entrare nel vivo di una dimensione che non era lo specifico musicale, ma metteva la musica, come diciamo noi, in primo piano come autoplasmazione vissuta per 9 mesi. E quindi nel 99 comparve la prima pubblicazione, nel 2001 ci fu una seconda riedizione con Borla, corredata di un CD nel quale appunto si vedevano le opere d'arte, c'era anche la musica. Eravamo allora in tempi in cui c'era il timbro della SIAE per tutto questo e anche le stereotipie, quindi questa comparazione fra arte e arte di vivere in tutti i sensi. Tutto questo ha avuto 3 riedizioni di Borla fino al 2017, in cui siamo passati a una nuova edizione aggiornata con Armando Armando, in cui in particolare c'è la modulazione degli stili prenatali riverificati dentro le cosmicomiche di Italo Calvino. Quindi è molto interessante perché è un'opera letteraria che era, diciamo, nuova questa visitazione rispetto alle comparazioni con gli stili prenatali in termini musicali oppure di arti visive precedenti. Quindi l'importanza di averlo trovato anche dentro il filo conduttore delle memorie ancestrali comiche, come dice Italo Calvino, perché ci mettono di fronte alla universalità che nessuno di noi nella nostra cultura pensa di possedere in sé, ma di essere dentro l'handicappato più grave, dentro l'Alzheimer, dentro la persona in fase terminale, come inestinguibile estetica psicofisiologica. Gli stili prenatali, diciamo, attraverso questa occasione del convegno, è come se diventasse una speranza pedagogico-terapeutica, perché credo abbiano a che fare con tanta prevenzione, con tanta possibilità di valorizzazione della vita e del senso della vita, che trovo così urgente in questo momento in cui si può pensare che vivo a fare. Sembra appunto comica quella risposta che mi sento di dare. Vivo perché ho un profondo senso estetico, capacità di sentire la vita dentro di me. Questo è quello che ci differenzia dalle altre specie animali, perché percepiamo di percepire con tutto un sistema plurisensoriale che ci mette in condizione di vivere al presente tutte le emozioni emergenti spontaneamente, stratificate in noi del già vissuto, in qualunque stato modificato di coscienza, compreso il sonno e il sogno, che hanno proprio una funzione autotelica per ciascuno di noi. Quindi è un interrogativo ancora aperto, no? È dalle origini che l'uomo si domanda di questa parte che è quasi metà della sua vita, in cui gli sfugge sempre, no? Questi lacerti del sogno, ma in cui ha presentito sempre che c'era nascosto il senso più profondo di quello che siamo e che ci domandiamo di essere. Quindi io credo che questo bellissimo mistero che è fatto per essere rivelato ogni volta dall'opera d'arte, dai comportamenti umani, dalle reazioni creative alla sofferenza, questo mistero rivelato vuol dire velato di nuovo,
non riusciremo mai a penetrarlo fino in fondo. Ecco, e con l'augurio appunto di innamorarci di questo inseguimento della ninfa, lo chiamiamo, no? Quindi di questa bellezza straordinaria che appare fra tronco e tronco e ci sfugge sempre. L'innamoramento è legato a tutto questo, è sapere di avere a che fare con un valore che non potremo mai afferrare del tutto. Ecco, con queste immagini luminescenti ci lasciamo sugli stili prenatali nelle arti e nella vita.